incroyable. Cette musique. C'est un mode de Doom. Et pourtant, ça a l'air d'être tellement plus. Ou pas. Allez, Ends of Necromancy, c'est parti. Je l'ai lancé un tout petit peu en off pour savoir un peu, et a priori, ça me plaît bien. Parce que je suis gros nostalgique, mais ça, c'est vraiment. Ça transpire le mode de Doom. Transpire le mode de Doom, mais fait avec amour. Et quand c'est fait avec amour, on peut pas refuser. On va se mettre en difficulté du milieu. J'espère que c'est pas trop fort. Je pense que c'est très fort, en fait. Je pense que c'est très fort, effectivement. C'est très fort. En même temps, c'est très fort, mais finalement, en même temps, quelque part. Et alors donc. Et pourtant. Et c'est en anglais. Alors, tu es un nécromancien. Quelque chose. Tu es le nécromancien. Quelque chose de terrible est arrivé dans ce monde. Les créatures. D'habitude effrayées par la sorcellerie et les armes, elles ont perdu leur empire, leur royaume, leur monde. Elles n'ont pas perdu, non, elles sont parties de leur monde pour envahir le monde des humains. Du coup, elles ont apporté la mort et la destruction. Quelque chose guide ces créatures. Quelque chose fait que ces créatures sont bien plus organisées que d'habitude, et en bien plus grand nombre. C'est pas normal. Vous suspectez quelque chose, un twist, un complot, quelque chose qui se trame, quelque chose d'horrible. Vous allez investiguer de la plus simple des manières, ou pas. Vous êtes armé d'une épée magique et d'un bâton qui tire des boules de feu. Et vous voyez la situation, vous voyez l'opportunité de montrer à la populace à quel point vous êtes puissant avec vos armes, votre magie. Vous n'allez pas vous cacher du combat, vous n'allez pas fuir le combat. Vous traverserez le monde pour trouver des intérêts particuliers. Vous entrez des... Ah oui, non, mais attendez. Ah oui, c'est ça, vous traversez donc le monde, le countryside, je sais pas comment exactement dire ça, vous traversez le countryside, voilà, le monde, sans trouver grand chose d'intéressant, jusqu'à arriver à un endroit où vous entendez des cris, et vous traversez, vous entendez des cris qui viennent de ruines, et donc vous y entrez, et vous battez, et vous préparez vos armes, et voilà. Voilà, cette traduction était fortement... I must seek them and destroy them. Ok, on va tout casser. Alors. Ok. Épée. Et baguette magique. Et on est parti. Ça va chier. Des bulles carrées. On va faire peut-être un tout petit truc. C'est-à-dire que ça... Merde. Ah! Il n'y a plus de musique, mais c'est pas grave. Dites-vous que ça fait partie du spectacle. Dites-vous que ça fait partie du spectacle. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ça me fait mal aux oreilles, c'est un peu trop fort. Je vais essayer de voir après si c'est trop fort dans le live. On va voir. Ah, c'est horriblement fort en fait. Horriblement fort. Ça devrait être bien mieux. C'est quand même très fort encore. Merde, comment ça se fait que ce soit si fort, ça, c'est incroyable. Ok. Alors, je peux pas péter les tonneaux, c'est dommage. Ah! Oh là là, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. C'est du sprite. Des animations de sprite. Et ça fait sprouch. Ce qui est marrant, c'est que par contre, la musique est trop forte et on n'entend pas les... Comme ça. Comme ça.
mieux. On va mettre la musique un peu moins forte. Ah, ça devrait être mieux. Mon Dieu. Donc je suis vraiment, j'ai quasiment rien fait en off. Hein. J'ai juste lancé le jeu pour voir si ça marchait. J'ai tué un ou deux monstres. Et je suis resté ici à observer ce feu. Il a m'hypnotisé car je suis, même dans la vie réelle d'ailleurs, en IRL, je suis fasciné par le feu, moi, de manière générale. J'aime le feu. Oh, c'est trop bien! Il jette des trucs par terre, c'est quoi? Je sais pas, mais... Qu'est-ce qu'il balance, hein? Tiens! Merde. Oh là là. Ça transpire les vieilles vibes de FPS à la Xen et compagnie. Oh! C'est qui lui? Bordel! Attendez. Attendez, où je le tue? Yeah! Non, attendez, je comprends pas comment on fait là. Il y a un truc qui m'a dit de faire? Non? Il m'a parlé d'un... Il m'a parlé des quêtes ou je sais pas quoi. Control. Customize. Control. Action. Strife. Center. Attendez, j'ai cru voir quelque chose. J'ai cru voir un gros minet là. Non? Inventory. Other. Open console. F8. Non. Ah! Map control. Non. Over. Toggle message just gamma. Open save. Option. Il me semble qu'il m'a parlé d'un truc avec des quêtes ou je sais pas quoi. Ah, les objectifs. Toggle objectif. Je vais mettre ça. Pour savoir un peu. Explore the ray. Ah, d'accord. Bah, c'est bien. Hein. Au moins, c'est clair. Explorer la zone. Est-ce que ça vous casse les oreilles? Ouais, un peu. Hein. Les sons, ils sont hyper forts. Tiens! Oh là! Est-ce qu'on peut... On peut s'accroupir? On a de l'apnée. Ok.